Salut tout le monde, c'est Monsieur Prof, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la Derby. Donc on va faire un unboxing des pièces à monter. Excusez-moi si la caméra bouge parce que je la tiens. J'ai commandé pour finir le moteur, tout est là-dedans. Donc j'ai commandé sur la bécannerie. Voilà, je l'ai ouvert pour voir si j'avais bien toutes les pièces. Donc, tout est ok, c'est vraiment sérieux, tout est bien emballé. Ça fait plaisir. Et sur AliExpress, j'ai commandé une plaque phare cross qui est vraiment nickel et ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. Et un garde-boue cross, voilà, pour mettre sur la Derby. Ça va la rajeunir un peu et puis ça va faire plutôt propre. Voilà, on va faire du unboxing ensemble. C'est vraiment la première fois que je fais un unboxing réellement, quoi, parce que j'avais fait un unboxing il y a longtemps sur mon ancien kit 50 sur mon scoot. Voilà, donc du bulle. Un petit autocollant, la bécannerie, ça fait plaisir, il va aller hop, sur le garde-boue. Pochette de joint complète pour refermer le moteur, pour monter le cylindre. J'en avais déjà, mais voilà. Là-dedans, donc c'est une culasse type origine, on va la ressortir tout de suite. Voilà, et c'est tout. Roulement et joint spi, top performance, voilà, pour refermer le moteur. J'avais déjà les joints spi, mais il me manquait... Hop là. Il me manquait les roulements. Voilà, donc là c'est des C3, c'est parfait. Donc ça, c'est des roulements, il n'y a pas besoin de les... Je vais pas vous les déballer, hein. Je pense que vous connaissez, vous savez ce que c'est des roulements. Voilà, des roulements. C'est la culasse et voilà donc ce que j'avais déjà les joints spi au cas où si j'aurais besoin de les changer un jour, j'en ai un deuxième paquet qui traîne. Voilà, voilà la culasse, donc j'ouvre en même temps que vous, hein. J'ai juste regardé si j'avais bien le carton. Voilà, là c'est type origine. Type origine pour l'instant ça suffit parce que la moto est juste préparée, mais j'aurai un kit par la suite. C'est juste pour s'entraîner, pour histoire de la démarrer tranquillement, quoi. Voilà. Culasse toute neuve. Voilà. Ça va aller parfaitement avec mon cylindre que j'ai préparé moi-même. Voilà, nickel. Là, ça dépasse parce que j'ai mal mis. Il y a un petit dépassement, mais c'est bien en face des goujons, ça donne ça, quoi. Il n'y a pas trop de dépassement, quoi. Voilà, ça fait vraiment propre. Voilà, la plaque phare, je vais vous la présenter. J'ai pris du AliExpress parce que je voulais tester au départ comment les carénages de AliExpress étaient. Donc vraiment, c'est vraiment du propre, vraiment pas mal du tout. Voilà. Ça a l'air d'être vraiment du costaud, hein. Il est vraiment épais le plastique. Voilà, je sais pas qu'est-ce que c'est comme modèle, hein. J'ai pris un peu au hasard, c'est le plus simple, hein, à installer. Voilà. On va éviter de l'abîmer. Le garde-boue, commencé à le déballer, mais j'ai pensé à vous à le faire en vidéo parce que là c'est une vidéo un peu à l'arrache. Voilà les gars, je vous dis à tout de suite pour une fois que le garde-boue est démonté. À tout de suite. Voilà les gars, donc dans l'ensemble il est plutôt propre. 4 trous là, je sais pas s'ils sont en face de la fourche, bon ça fait rien. Voilà, il est vraiment plutôt propre et puis le plastique est épais, hein, comme la plaque phare. Pas mal, donc là ça fait un peu, ça fait pas terrible la bosse qu'il y a là, mais bon ça suffit, hein, ça suffit pour une moto de piste, hein, c'est largement suffisant. Voilà, on regarde si tout est bien lisse, bien propre, il n'y a pas de défaut et il n'y en a pas. Voilà, la plaque phare qui est ici. Voilà, le moteur est prêt à être remonté, j'ai tout ce qu'il faut, roulement, joint moteur, culasse, qu'est-ce qui me manquait.
Voilà, donc j'ai tout pour ce moteur, pour cette moto. Voilà. La bécannerie. Il ne manque plus que coupe-circuit, un guidon, mais qu'il est légèrement tordu. En attendant, j'ai laissé celui-là. Et puis voilà. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut tout le monde.